Bah, bien sûr. Si c'était pas un métier de rêveur, je pense qu'à mon avis, il n'y aurait pas beaucoup d'entraîneurs. On rêve toujours, c'est ce qui nous fait rêver, quoi. Je veux dire, on espère toujours atteindre le haut niveau, de trouver toujours le Graal dans les bons choix ou quoi que ce soit, quoi. Mais faut rêver, quoi, je pense. Sinon, il faut faire un autre métier. Travailler avec son père, c'est comment? Oh, c'est pas tous les jours facile. Non, ça a des avantages et des inconvénients. Il y a des fois on est en désaccord, comme il y a des fois il va bien me complémenter si j'ai des choses à faire ou quoi que ce soit. Il y a des, comme j'ai, il y a des avantages et des inconvénients. Et quand vous n'êtes pas d'accord, qui a le dernier mot en règle générale? Ça dépend, c'est sur quoi. L'autre jour, fait une très bonne course de rentrée. Erreur de ma part, j'avais mis une débouche-oreille, il ne l'avait jamais eu, donc il a fait la faute à Franck quand il a débouché. Il aurait été deux ou trois jours là. Il en a une belle jeudi prochain en gain. Non, jeudi là, pardon. Jeudi là, non, le cheval est vraiment bien au travail, il devrait faire un bon meeting. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Quand j'ai eu des bas ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui, même si je lui devais de l'argent, qui m'a jamais réclamé, qui a toujours su être patient de ce côté-là, et je lui en remercie. Mais après, c'est le numéro un. Je préfère l'avoir avec moi que contre moi.